Ils sont rentrés en grève depuis le mardi 16 avril. Dans les locaux de cette info, les étudiants de l'Institut national de formation professionnelle agricole expliquent les raisons de leurs revendications. Investiture du bureau exécutif de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agriers de Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Le rideau est tombé sur le Massa 2024. La grande chancelière honoraire Henriette Dagry Diabaté, honorée à l'occasion de la clôture du Massa 2024. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Ils ont décidé de se faire entendre par tous les moyens. Les étudiants de l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, ont envahi les rues du plateau le lundi 22 avril 2024. Ils continuent de revendiquer l'annulation du concours d'intégration au sein de leur filière en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Alors qu'ils sont informés que le diplôme délivré à la fin de la formation de l'INFPA ne donne pas droit à un recrutement systématique à la fonction publique, ces étudiants sont venus présenter leur plaidoyer aux autorités compétentes dans les locaux de cette info. Chaque année, il y a pas moins de 500 étudiants qui finissent leur cycle de formation. Le diplôme obtenu est le brevet de technicien agricole ou le brevet des techniciens supérieurs agricoles. Il n'y a pas moins de 500 étudiants qui finissent dans plusieurs spécialités telles que agro-transformation, machinisme agricole, foncier rural, agriculture coopération, élevage et métier de la viande. Mais toutes ces spécialités-là, on a aussi eu la spécialité halieute pour tout ce qui est pisciculture et aquaculture. Et toutes ces six spécialités-là se retrouvent à passer un même concours. Et lorsque nous demandons, j'ai posé la question au DG de l'INFPA, il m'a dit le ratio de formation, d'intégration par rapport au nombre de candidats est de 50%, est de 20%, pardonnez. Mais ce qui est, la réalité nous montre que les anciennes promotions s'ajoutent aux candidats sortants de la formation. Donc il y a encore plus d'étudiants. On peut l'estimer à au-delà de 1 000, 2 000. Donc ce que nous voulons, c'est que ce problème qui se pose au niveau du concours d'intégration soit revu par nos autorités. Il y a un besoin, nous voulons servir, nous voulons travailler. Que ces étudiants qui finissent ne se retrouvent pas au chômage. Le mardi 16 avril, une grève a été déclenchée le jour où les étudiants de première année devaient passer leur partiel. Depuis lors, aucune rencontre officielle n'a encore eu lieu entre ces étudiants et leur ministère de tutelle. C'est officiel, le bureau exécutif de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agriers de Côte d'Ivoire a été investi lundi 22 avril 2024. Investisseurs, promoteurs immobiliers, entrepreneurs, tous ont répondu présents à ce grand rendez-vous organisé par l'institution. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en tant que président élu de notre illustre chambre, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée en me confiant cette fonction. Je m'engage solennellement à servir notre communauté avec dévouement, intégrité et passion. Je voudrais vous réitérer l'engagement de la banque à œuvrer davantage dans le cadre de votre activité, à mettre en place des accompagnements spécifiques, des partenariats gagnant-gagnant. Ensemble, continuons de bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle pour une expérience immobilière réussie de nos populations. Durant la cérémonie, la CNPC a signé une convention de partenariat avec la chaîne de télévision 7 Info. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la promotion du secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Créée en février 2014, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agriers de Côte d'Ivoire est une organisation reconnue par l'État ivoirien. Elle intervient principalement sur les problématiques liées à la construction immobilière en Côte d'Ivoire. Les lampions du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan se sont éteints après 7 jours de célébration. Pour cette 13e édition, un vibrant hommage a été rendu à Henriette Dagry Diabaté, grande chancelière honoraire, pionnière de ce rendez-vous de l'art. Émue par cette marque d'attention, son discours a été dit par son fils. C'est dire, mes chers amis, ma joie et ma fierté de voir ce que le Massa est devenu. Un moment incontournable, convoité de la vie culturelle en Afrique. Un lieu où les artistes, issus de tout continent africain,
tiennent à se produire car ils considèrent que c'est une étape importante de leur parcours artistique et même de leur carrière. Il n'y a rien de plus gratifiant pour un responsable politique que de voir ce qu'il a imaginé dépasser ses propres espérances. Le prix Henriette Dagridiabaté de la création féminine est décerné à la percussionniste Léry Sankofa. Et c'est un sentiment d'honneur, de reconnaissance d'abord. Et je me sens honorée. Je me sens honorée et je suis vraiment reconnaissante. Je dis merci à Dieu, merci à ces personnes-là qui m'ont vue de loin. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a invité les lauréats à emboîter les pas de la grande chancelière honoraire pour le rayonnement de l'art en Côte d'Ivoire. En tant que pionnière, vous portez la responsabilité de la promotion de ce prix. Et je ne doute pas que vous saurez le porter haut. Je vous invite à continuer de vous approprier les qualités exceptionnelles que le professeur Henriette Dagridiabaté a su développer tout au long de sa longue et riche carrière professionnelle et politique. Un accord tripartite a été conclu entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, Orange Bank, et le ministère de la Culture et de la Francophonie pour le financement de l'industrie culturelle et créative. Le MASA, créé en 1993 par l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, est un festival des arts vivants africains organisé tous les 2 ans à Abidjan. La ville de Sassandra a vibré au rythme de la 2e édition du carnaval Awawa, qui signifie en langue néo « aimons-nous ». Le festival a réuni les fils et filles de la région autour d'un idéal commun, la diversité culturelle pour la cohésion sociale, gage de stabilité et de développement. Concerts géants avec de nombreux artistes, défilés des différentes communautés, découvertes gastronomiques sont entre autres les activités qui ont meublé les festivités. Pour parler cohésion, pour parler paix, pour parler rassemblement, pour ensuite donner une chance au développement, il était bon pour nous de mettre sur le même plateau la culture de toutes les communautés qui vivent à Sassandra. C'était très important. Vous savez, Sassandra est une ville qui a un potentiel culturel, gastronomique et touristique énorme. Nous disons pour nous que la région du Boklé est la plus belle au monde. La 2e édition du carnaval Awawa a réuni plus de 10 000 festivaliers. De jour comme de nuit, ils ont été ravis de découvrir la culture et les atouts touristiques de la région du Boklé. Nous lançons un appel à toute la population de Sassandra, à la jeunesse de Sassandra. Nous devons suivre la voie de notre frère Nouma Ruffin parce que, il faut le dire, c'est un exemple à suivre. Le carnaval est bienvenu dans la région de Sassandra, ça va, ça nous permet de nous divertir, nous sommes dans la région, vraiment, nous sommes heureux. Les organisateurs du carnaval Awawa ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils promettent de mettre les bouchées doubles pour une prochaine édition réussie et plus grandiose. C'est la fin de ce 7 minutes, très bonne suite de programme sur 7 Info et sur 7info.ci.